c'est le match numéro 2 et malheureusement, vous l'avez vu, l'équipe de France a perdu le premier match 268 à 191. Donc dans ce match 2, c'est sur la route des Anglais, c'est les Américains, une belle équipe, Chris et Amy Vaiali. Les vainqueurs de ce match numéro 2 iront affronter les jeunes et surprenants Suédois. Et enfin, la finale opposera le vainqueur du match 3 à la paire pro Matt McNeil, Daria Payok. Et donc Hélène, c'est les Anglais qui attaquent ce match numéro 2 sur la piste 5. C'est tout à fait ça, Bruno, et nous allons voir comment ils vont se débrouiller puisque les Français, juste avant eux, ont eu toutes les difficultés du monde à essayer de striker. Et de maîtriser cette piste numéro 5. Effectivement, les Américains ont décidé de switcher et c'est un petit désavantage peut-être pour les Anglais. Et oh là là, elle attaque avec un Brooklyn très chanceux, Sarah Wood. C'est bien parti pour eux. Le spectacle commence de suite, alors que se prépare Amy. Avec une boule timide qui laisse une quille. Elle nous laisse la quille numéro 3. Une boule très serrée, regardez, on la revoit d'ailleurs au ralenti. Elle a eu un petit problème d'équilibre, Amy Vaiali. Et elle aurait très bien pu laisser le baby split, vous avez vu avec la quille 10 en plus, mais bon, elle est tombée. Donc un spare, normalement, j'ai envie de dire, une formalité. Allez, c'est parti pour l'américaine. Et spare parfaitement exécuté. Et on découvre Hélène Chris Vaiali, vous avez quelques infos sur lui. Sur le couple même, puisque Chris et Amy travaillent ensemble sur une organisation qui s'appelle la NEBA, New England Bowling Association. Et il attaque très très fort, Chris, avec un strike très fin, mi-poche. On le revoit d'ailleurs avec un angle différent. Regardez, il est pro sur le circuit senior aussi, des plus de 50 ans. Et il a une sacrée technique encore pour un senior. Bravo à lui, belle entrée en matière des Américains. Et nous découvrons de nouveau le partenaire de Sarah, Jack Blight, qui strike, et c'est donc un doublé pour l'équipe anglaise. Décidément, ce changement de piste ne les dérange pas trop, ils sont bien partis. On n'a pas vu la frappe numéro 3 de Sarah Wood qui a réalisé un spare. Et Amy, sur cette frappe numéro 3, a la possibilité de doubler, de revenir dans le match. Et malheureusement, elle laisse encore la 3, décidément, la même boule. C'est une photocopie de sa première boule, regardez. Et encore le baby split qui part au dernier moment, là, qui dit, c'est elle est chanceuse, l'américaine. Il faut qu'elle fasse attention parce qu'il faudrait qu'elle change quelque chose dans sa ligne de jeu, sinon elle va bien finir par nous le laisser. Allez, un spare. L'équipe américaine reste néanmoins soudée. Chris Vaiali continue dans sa lancée. Un petit déséquilibre là. Et donc c'est un split. Ouais, un gros split là, vous avez vu. Et oui, je crois qu'il y a eu un souci d'approche. On va peut-être le revoir. Regardez cette approche. Regardez bien son pied de glisse. Là, ouais, il a bloqué complètement. Et comme il a de l'impulsion en plus. Et il a cet horrible split. Le 3, 4, 6, 7, 10. Il n'est pas facile à faire. Il faut jouer finement entre les quilles 3 et 6 pour que la 3 aille chercher la 4 et la 7. Et il a changé de boule, il a pris une boule uréthane pour cette tentative. Ouais, dommage, il laisse deux quilles. Premier open du match, Hélène, et décidément, nos Anglais sont bien partis. Et oui, c'est l'Amérique qui a des difficultés. Allez, le jeune anglais Jack Blight sur cette frappe numéro 4. Ouais, la
4 ne tombe pas, elle a bien bougé pourtant. Jack Blight, hein, qui est un joueur avec un très haut backswing, vous avez vu. Très bonne vitesse de boule également. Regardez sa réaction. Il y croyait. Il y a sa maman d'ailleurs, hein, qu'on voit, on a vu furtivement, hein, derrière lui, qui l'encourage, hein, qui est très proche de lui, hein, parce qu'il est jeune, Hélène, hein, 17 ans seulement. 17 ans, il a commencé la pratique du bowling à 7 ans et il s'est retrouvé dans des matchs européens pour les jeunes à l'âge de 11 ans. Donc son parcours est assez fulgurant. Très bon spare de Jack. Ouais, donc les Anglais pour le moment tiennent le bon bout. Et on retrouve Sarah Wood. Alors on est en doublette mixte en Baker System, donc les deux joueurs de chaque équipe se suivent. On fait un petit point sur le score, 78 pour les Anglais à 64 pour les Américains. Ils sont en avance les Anglais. Et Sarah Wood sur cette frappe numéro 5 a la possibilité de striker et de maintenir, hein, le petit coussin de sécurité d'avance. Et c'est parti pour l'Anglaise. Et strike, Hélène, décidément, ils tiennent vraiment le bon bout les Anglais, hein, je suis surpris. Pour le moment, c'est un sans faute. Et s'ils continuent comme ça, nous pouvons les retrouver contre l'équipe suédoise. Allez, c'est au tour d'Amy Vial. Ou Vaiali en américain, Hélène, comme vous le souhaitez. Et elle a changé quelque chose dans sa ligne de jeu. Elle nous fait un strike pleine poche. Bravo, Amy. Belle réaction. Allez, l'américain Chris Vaiali a la possibilité de doubler, de relancer la sélection américaine sur cette frappe numéro 6. En tout cas, ils en ont besoin. Magnifique strike. Allez, on revoit la boule au ralenti et la ligne de jeu. Une bonne arrivée de la boule sur la quille 1. Il était néanmoins un petit peu serré, mais bon, belle réaction des Américains, doublé. Et Jack, sur la frame 6, va-t-il répondre à l'Américain? En tout cas, c'est ce qu'il faut faire, vous le savez, hein, vous qui nous suivez de plus en plus nombreux. Ces émissions, ces matchs du bowling promotion tour. Allez, Jack, c'est parti. Oh, quelle boule, avec quelle autorité, quel doublé. Bravo, hein, ils sont vraiment pour le moment quasiment injouables, les Anglais. Il en veut, hein, vous avez vu cette réaction, bravo. Ils ont l'air assez complices. Alors, on aperçoit Jack qui parle avec Carl, le compagnon de Sarah Wood. Entre Anglais, il parle technique. Allez, Sarah a la possibilité de tripler et là vraiment de prendre une sacrée option, hein, pour gagner ce match. Oh, la boule est arrivée très très fine, elle nous laisse 4 quilles. Ouais, elle a changé quelque chose ou dans la vitesse ou dans la ligne de jeu, mais on a bien vu, hein, la boule n'a pas du tout fini. Néanmoins, un spare qui ne devrait pas lui poser de problème, Hélène, hein, elle a pris la boule dure, la boule qui ne prend pas l'effet. En tant que joueuse précise, elle ne devrait pas nous décevoir. Allez, c'est parti. Oh, aïe, aïe, elle a mal joué cette boule, elle a dévissé. Erreur de précision et premier open, hein, de la sélection anglaise. On revoit sa réaction, elle a fait une petite mimique, hein, elle n'était pas contente. Et elle le sait qu'il faut éviter. Regardez le visage de Amy qui s'est tout de suite illuminé. On l'a vu, son regard de tueuse presque. Parce que si elle triple, les Américains reviennent dans le match, hein. Et c'était l'erreur qu'il fallait pas faire du côté des Anglais. Elle le met, Hélène, ce triplé, Amy Vial, bravo. Elle est sérieuse, hein, elle n'a pas fait d'erreur pour le moment, l'Américaine. C'était spare ou strike. Et son mari maintenant a la possibilité de quadrupler, vraiment de revenir dans le match et même de passer devant les Anglais. C'est incroyable. Quel retournement de scénario, Hélène. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On assiste à un revirement de situation. Alors va-t-il le mettre? Il en est bien capable. Où il est monté au break.
Ça brasse bien strike. Quatrième strike pour les Américains. Bravo, Chris Vaiali. Regardez sa réaction de champion. Hein, il en veut. Sous les yeux de l'arbitre, hein, je vous le présente très rapidement. Philippe Sionville, l'arbitre de ce match. Il est là au cas où, hein, s'il y a un souci, si les joueurs dépassent le time code des 30 secondes. On est toujours très limite hein, dans ces matchs, Hélène, au niveau du temps. Oui, oui, c'est sûr. On a besoin d'un arbitre. Et Jack, très concentré, ne perd quand même pas trop de temps. Et il nous laisse la 10, malheureusement, Jack Blight. Hein, ça aurait été mieux un strike. La boule est quand même bien jouée. Il est sérieux, mais il nous laisse la 10. En tout cas, il ne faut pas qu'il le rate là, parce que les Américains sont vraiment revenus dans le coup. Il est déçu, là, on le voit. Alors, il change de boule. Hein. Comme lors du premier match, il a pris sa boule dure. Avec son pouce interchangeable. Il reste bien concentré. Cette boule est importante, Hélène. Il faut le spare. Oui, tous les points comptent. Allez, pas d'erreur, c'est sérieux. Allez, bon spare pour l'anglais. On va faire un petit point sur les scores. 150 pour les Anglais à 154 pour les Américains, mais le quadruplé n'est pas totalement comptabilisé, donc les Américains sont déjà bien devant. Sarah Wood a la pression, je sens, c'est la frappe numéro 9. Alors Sarah et Jack, s'ils arrivent à terminer en strike, ils sont sur une partie à 220, ça obligerait quand même les Américains à bien jouer. Donc il lui faut le strike là à Sarah. Elle a l'air pas mal. Aïe, aïe, dommage. Elle est arrivée à la même angle que Jack. Elle laisse la 10 également. Ils sont pas chanceux en cette fin de partie, les deux Anglais. Elles se parlent beaucoup. Et oui, elle est déçue, l'Anglaise. Et là, du coup, il faut pas le tailler, Hélène, non plus, j'espère. Et oui, il faut pas la tailler. Et j'ai tendance à penser que finalement, cette piste 5 donne bien des difficultés aux équipes. Et c'est parti. Oh non, c'est pas possible. Elle nous rate ce spare là, au plus mauvais moment, la frappe numéro 9. Ah, ça va permettre aux Américains de se détacher là. Ouais. Il y a un gros écart parce que je vous dis, le score ne reflète pas la réalité. On va voir ce que va faire Amy Vaiali sur cette frappe numéro 9 pour bien préparer le terrain à son mari, Chris. La boule est un petit peu serrée là, du coup elle laisse deux quilles. Et là pareil, hein, il lui faut le spare. Elle nous laisse 6-10. Et c'est très très bien joué, vraiment elle a le talent pour réaliser ce genre de boule. Elle est facile en tout cas, bravo à elle. Et regardez le score, là ça y est, on y est. 182 à 168. Et oui, il lui faut que quelques quilles. D'ailleurs, Chris a changé de boule. Hein. Il a pris une boule uréthane, hein, une boule qui prend moins l'effet pour sûrement jouer plus tendu. Et parce qu'il ne veut pas faire de split. Alors, on voit bien la réaction du joueur pro. Hein. Sérieux. Allez, bien joué. Et strike, quel champion, bravo. Ça y est, c'est fait, les Américains ont gagné ce match. En tout cas, Hélène, je suis assez surpris puisque jusqu'à la frame 5 ou 6, hein, on ne pensait pas, hein, c'était pas du tout possible. Et ils ont fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Ils ont réussi à enchaîner les strikes et bravo, on peut le dire. Oui, c'était un match assez particulier dans sa construction, mais intéressant, très intéressant. Allez, un petit spare pour terminer à 212. Et oui, l'anglais Jack Blight ne pourra pas faire mieux que 198. Donc les Américains partent pour la demi-finale, on peut dire, face à la sélection suédoise. Il le fait facile, il est content. Enfin facile, justement, très chanceux, j'ai envie de vous dire. Voilà, on se congratule.
du respect entre les joueurs. Et on va voir la dernière frame de Jack Blight. Qui est sûrement un petit peu déçu, Hélène, mais bon, c'est la loi du sport. Oh là là, en plus, il laisse la 7 sur une très belle boule. Oui, mais Jack fait partie de ces joueurs, comme Sarah Wood d'ailleurs, qui ont beaucoup de fair play et qui restent toujours avec un grand sourire, même quand ils perdent. Allez, il va nous jouer la 7. Regardez sa réaction. Il est déçu. La 7 avec normalement pas trop de difficultés. Voilà, parfait. Une dernière boule pour peut-être faire 188 score max. Ah, il parle avec Sarah. Il y a une bonne ambiance là. Hein. Le match est perdu, donc ça chambre un petit peu. Alors, regardez, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit à Sarah Wood et aux Américains, mais il est encouragé hein, sur sa dernière boule par le public ici au Silver Bowl. On va avoir un très très beau match à suivre entre Carl Eklund, Nora Johansson et la paire américaine. Le choc des générations et de la technique. Ouais, Hélène, il nous laisse deux quilles, donc 186 à 212. Et donc Hélène, on se dit à très très vite pour la suite. Hein. Oui, restez bien avec nous.